le film d'un week-end tendu dans la ville de Loum, département du Mungo, région du littoral. Très tôt ce dimanche, une foule en furie a pris d'assaut les alentours du poste de gendarmerie de cette localité, réclamant que justice soit rendue après qu'un jeune homme nommé Lodupong, 18 ans environ sonné, s'est donné la mort par pendaison alors qu'il était placé en garde à vue. Cameroun, voilà un seul citoyen camerounais qui vient de mourir à la brigade de Loum. On ne sait pas quelle manière dont ce garçon a rendu l'âme. Nous sommes tellement en colère. On peut vraiment où on est dans ce pays-là. Nous partons où vraiment au Cameroun. Mais ça, c'est injuste. Et ce qui est étonnant, c'est que est-ce qu'au Cameroun, quelqu'un a le droit d'entrer en cellule un samedi? Non, ce n'est pas un recherché. Parce que quand c'est un recherché, on a le droit de l'arrêter à tout moment. Interpellé pour vol de carburant au petit matin du samedi, le jeune Ledoux sera auditionné, puis placé en garde à vue après avoir avoué les faits. Il va miraculeusement rendre l'âme le lendemain, laissant amis et connaissances dans le désarroi. On l'a arrêté hier samedi à 5 heures. Matin, ils sont sortis à 5 heures pour partir prendre chez lui. Il n'a pas reçu aucune convocation, ni rien, pas de papier, ni rien. Le sous-préfet Martin Fabrice Fonomodo, descendu sur les lieux, invite les populations au calme en attendant la fin de l'enquête qui a été ouverte. Pour l'instant, nous ne pouvons pas trop nous avancer. Les faits qui nous reviennent parlent d'un individu qui se serait suicidé dans une des cellules de la brigade de Loum. L'enquête est en cours et nous savons que la vérité se fera jour. En attendant, nous invitons les populations de la ville de Loum au calme. Seuls les résultats de cette enquête pourront déterminer les causes réelles de cette mort suspecte qui fait des grands bruits dans la ville de Loum et alimente la controverse dans les chaumières. C'est la commune de Mayo d'Arlé. C'est tout sourire et fier du travail abattu avec ses populations que l'édile de Mayo d'Arlé a reçu ce 12 septembre des mains du gouverneur de l'Adamawa le trophée consacrant le vainqueur au niveau régional du concours Ville Propre. Vous savez, Mayo d'Arlé ne se prépare pas uniquement lorsqu'on lance le concours. À Mayo d'Arlé, le concours se lance dès le 1er janvier et c'est terminé le 31 décembre. Nous sommes prêts. Le 3 octobre prochain, c'est à cette collectivité territoriale décentralisée, créée en 1993 dans le département du Mayo-Bagno, de représenter à Bertois, à l'est du pays, la région Château d'Eau du Cameroun. Le fait que certains considèrent comme la commune de Mayo d'Arlé comme étant une commune moins urbanisée n'est pas un inconvénient. Donc c'est au contraire, c'est un avantage. 13 critères ont amené le jury de sélection à jeter son dévolu sur cette commune. Mayo d'Arlé a surtout damé le pion en Ngaoundéré 1er, Mayo Baléo, Ngaoundal et Ngaoui. Elle a fait mieux que les 21 communes de cette région qui ont pris le top départ le 8 juin dernier, date de lancement au niveau régional. Nous sommes convaincus de ce que le 3 octobre, la région de l'Adamawa va scorer merveilleusement. Le 3 octobre prochain, le Cameroun, de concert avec le reste du monde, va célébrer la Journée internationale de l'habitat. Toutes les bénédictions accompagnent la commune de Mayo d'Arlé afin qu'elle hisse l'Adamawa sur le toit de l'Afrique en miniature à ce concours. Le vœu le plus ardent est que cette campagne d'hygiène, de salubrité et d'embellissement de nos villes reste plus que jamais gravée dans les mœurs. À date dans la région de l'Ouest, 1971 projets sont entrés dans la banque régionale pour une enveloppe de 167 843 839 046 francs CFA. Ils ont été explorés et appréciés lors de la rencontre régionale de maturation des investissements publics pour la région de l'Ouest. Une occasion d'appeler les projets en boîte qui ne méritent que d'être réalisés, comme a dit le gouverneur de la région de l'Ouest. Si ces projets prêts à être réalisés semblent être nombreux, avec en tête le département des Hauts-Plateaux qui a près de 63 projets, suivi de la MIFI 55,9% et la Maine-Loire 51,4%, il reste à constater que la majorité des autres départements ont des projets inférieurs à 50%.
Ce qui, dans l'ensemble, permet de constater qu'autour de cette phase, les projets maturés sont inférieurs à celles de la phase précédente. De quoi être observé comme une inquiétude par le délégué régional du ministère de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. On déplore une chose, c'est que le nombre de projets portés à maturation soit en train de baisser, alors que le financement est justement en train de décoller. L'année passée, on avait un financement d'environ 3%. Cette année, il est monté à 8%. Et au vu même également des observations faites en salle, on a en droit de penser que ce taux de financement est passé certainement à un peu plus de 16%. Donc nous regrettons que c'est au moment où le financement décolle que les mairies tendent un peu à ne plus porter à maturation les projets. La maturation de ces projets donne libre cours à leur réalisation potentielle dès que les financements sont disponibles. D'où la présence à cette réunion des autorités de la région et des acteurs multiformes. Ce qui invite aussi à s'interroger sur la densité et l'efficience de ces projets. Il n'en demeure pas moins que la population principale bénéficiaire attendent de voir ces projets sortis de la phase de banque pour être effectivement réalisés. Rencontrer un gynécologue au Cameroun, voilà qui hier encore exigeait de s'armer de patience, des fois jusqu'à 6 mois pour des couples côtoyant les couloirs d'hôpitaux en quête de solutions pour le traitement de l'infertilité. Au centre hospitalier régional de Bolova, la campagne intitulée « Zéro couple sans enfant » de la lumière sur l'actualité. L'infertilité du couple est un véritable problème, non seulement de santé, mais aussi un problème social. Rendu à date à son 13e jour, elle accueille en consultation le 78e couple. Nous allons permettre à ce que ce problème puisse être réduit dans la région. Nous encourageons un maximum de couples à venir se faire consulter puisque lors des examens, si nous nous trouvons de pathologie, nous allons soigner la majorité de ces patients gratuitement. Et ici, au-delà de rompre avec les longues et pénibles attentes dans les couloirs de gynécologie, des faits socioculturels faisant du Sud, la région du Cameroun avec un faible taux de démographie oblige de surfer sur le social et c'est dans la durée. Les femmes accouchent tôt et finalement passent plusieurs années sans pouvoir concevoir. CHR étant un hôpital gynéco-pédiatrique avec le matériel nécessaire pour répondre aux problèmes d'infertilité, on avait l'impression que la population n'en bénéficiait pas encore suffisamment. C'était disponible jusque-là seulement dans les grandes capitales et à l'extérieur, c'est disponible ici, ça se fait tous les jours. Ça se conjugue désormais au passé, les longues attentes dans les couloirs à la rencontre du gynécologue. Comme vous pouvez l'observer, c'est désormais possible et en consultation de routine de faire des examens les plus complexes comme ici à l'hôpital de référence de Bolova. La référence près du malade et à moindre coût, voilà qui devrait suffire pour sensibiliser à Bolova et au-delà des personnes, hommes et femmes, peinant sur le chemin de la conception. Pour cette rentrée scolaire 2022-2023, c'est la salle polyvalente de l'Eniec, de Consamba, qui a été le lieu par excellence choisi pour abriter la tenue de la sectorielle scolaire des enseignements secondaires pour le Mungo en présence du premier agent préfectoral. C'est le moment, Edouane, de transmettre des instructions de la haute hiérarchie au chef d'établissement, les responsables, des services déconcentrés de des enseignements secondaires de notre département. Pour cette sectorielle, il était question pour le délégué départemental des enseignements secondaires du Mungo et les chefs d'établissement de faire dans l'ensemble le bilan de l'année scolaire écoulée et mettre sur pied des nouvelles stratégies visant à améliorer et assurer le bon déroulement de l'année scolaire en cours. Donner une orientation pédagogique, disciplinaire, administrative à tous les chefs d'établissement pour le meilleur fonctionnement de leur établissement respectif au cours de l'année scolaire en cours qui commence. We are already done last year and to provide the solution so that at the beginning of the year, everything will be okay to prevent the result, the good result at the end of the year. Pour
le chef du département, le cap est donné sur la très haute vigilance sur ses apprenants face à cette très haute criminalité grandissante dans ces milieux scolaires, afin d'avoir une année scolaire 2022-2023 sans crime. Ils sont une cinquantaine formés aux techniques de la pisciculture. Ces jeunes ont suivi une formation d'une dizaine de jours à Saint-Mélima. Le Cameroun a besoin de produire le poisson qu'il consomme. J'invite la jeunesse à vraiment s'intéresser à ce secteur d'activité qui est très rentable. La cérémonie de remise des parchemins a eu lieu en présence des autorités administratives, en tête duquel le préfet du Dja-et-Lobo, Damien Owono, revient sur l'importance capitale de la pisciculture pour le développement économique de son département. Il vaut mieux apprendre un enfant à pêcher qu'à manger du poisson. Aujourd'hui, nous assistons à la remise des alevins pour permettre à ces jeunes d'être des entrepreneurs en pisciculture. Il faudrait autonomiser les jeunes, les propulser dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui explique ce projet. Aujourd'hui, on a compris que avec les opportunités qui ont été présentées à travers la pisciculture, à travers aussi, n'est-ce pas, les autres questions relatives à l'agro-pastorale sur d'autres secteurs, eh bien, le développement est à notre portée. Ces jeunes pisciculteurs émettent quelques doléances pour le bon fonctionnement de leur activité. La nutrition de ces alevins et puis ces poissons qui coûtent tellement cher sur le marché. Alors notre doléance est... Élever et transformer le poisson, des capacités acquises qui permettront de réduire le taux d'importation du poisson au Cameroun. Selon l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé ces dernières années le poisson congelé à des centaines de milliards de francs CFA. Réduire les cas de rougeole dans les formations sanitaires et prévenir cette maladie chez les enfants qui ont repris le chemin de l'école, c'est le but de la campagne de vaccination organisée à Kribi. La parole que nous adressons aux parents, c'est de laisser vacciner les enfants, de permettre à nos vaccinateurs qui sont déjà sur le terrain, qui sont déjà sortis sur le terrain, qui font le porte-à-porte pour pouvoir protéger le maximum de nos enfants dans nos communautés. On a eu également plusieurs mini-ripostes dans les fonctions techniques qui vaccinent, mais c'est encore insuffisant parce qu'on trouve encore les cas de rougeole. Débutée depuis le mois de janvier, cette campagne de vaccination est le fruit de la collaboration entre le centre médical d'Afan Mabé et le port autonome de Kribi. Notre hiérarchie a jugé bon d'accompagner l'aire de santé de Kribi dans le cadre de cette vaccination qui résout à moyen et à long terme des problèmes liés à la rougeole dans notre aire de santé. Un seul éternuement d'une personne atteinte de rougeole suffirait pour contaminer une personne saine. Alors, la prévention est vivement recommandée par les médecins pour combattre cette maladie infantile. Rendu à la deuxième semaine de la rentrée scolaire, la Sanaga Maritime enregistre un taux de présence effectif de 80% pour les élèves et 90% pour les enseignants. Telle est la situation présentée par le préfet du département au ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalo Vayonga, venu en visite de travail. Donc, madame a voulu prendre le pouls de la réalité de la rentrée. Ce qui est fait, les enseignants sont en classe, les élèves sont en classe. Le personnel administratif a préparé la rentrée de manière convenable et nous pouvons dire que dans notre région, les choses vont bien. Au lycée bilingue de Béaune, comme les lycées classiques et techniques de DEA, l'accent sur la propreté dans les enceintes et le respect des effectifs dans les salles de classe ont été prescrits par la patronne des enseignements secondaires.
Pour cette rentrée, les Nièges et le collège polyvalent d'EDEA sont des exemples à suivre. Un des fils du terroir a pris sur lui de réaménager cet établissement et nous sommes contents par la qualité de ce que nous avons vu. Il y a des poubelles partout dans les salles de classe, c'est propre de telle manière que chacun doit se sentir concerné. Au cours de l'échange qui a réuni les responsables sectoriels, la réduction de 50 élèves par classe, la sécurité dans les établissements, la saine gestion des fonds et la limitation des violences en milieu scolaire, avec comme innovation la disposition d'un numéro vert, ont constitué les points à l'ordre du jour ici. Non, la communauté éducative doit accompagner le gouvernement dans cette politique d'élévation du niveau et de la qualité des enseignements. C'est pour cela que cette année, nous parlons davantage de digitalisation des enseignements pour que l'enseignement soit plus professionnel. Au-delà de la dotation du matériel d'hygiène pour la lutte contre le choléra, le ministre des enseignements secondaires a promis l'augmentation des enseignants et des machines dans les